dois rentrer dans le stade à la fois, et dans l'obscurité, c'est comme si on dans l'obscurité de toi-même, retrouver la réponse des questions que tu poses, que personne ne peut répondre. Il faut toujours prendre la lance c'est la ligne. Chaque fois qu'il y a une difficulté dans le moment, tu penses à la difficulté dans la vie, les choses, et tu vois que tes réponses sont. Les obstacles sont là pour que tu avances. Si tu dis à moi, j'abandonne parce qu'il y a un obstacle, parce que je ne vais pas y passer. Avec le fait. Et en plus, elle est détenue par l'amour de prêtre, parce que c'est son enfant aussi. Et c'est la tienne. C'est ça qu'il a. C'est à deux, mais à des niveaux différents dans la construction de. De matière. Mais il est humain. Donc il a la faiblesse. Toi tu en as. Tu as toute la force et c'est ça qui fait le souffrant. Tu as compris. Tu redresses le monde dans le ciel et bien pas plus. C'est ça mon image. Tu dois pas abandonner, tu dois rester dans le monde. Non, tu dois rester, c'est pas le bazar. Retourne à la maison, à notre frère. Si. Tu vois quoi je dis que mon frère. Parce qu'il faut plus. Voilà. C'est vous entraîner pour que les livres s'aiment dans le corps. J'ai pas beaucoup de voix. Pourquoi tu dois tirer la tête de la tête?
bastion, hein? Là, voilà, ton petit, petit, va, il y a un tout petit travail de muscle. Là, ce petit muscle. Détends ce petit muscle. Non, le dos, voilà. Parce que le dos, voilà. Oui, voilà. Très bien. Utilise l'énergie de dos. Voilà. Voilà. Juste l'énergie. Ouais, laisse jusqu'au bout. Ça va. Je ne fais rien avant de démarrer ça. Tu vas complètement là et comme ça, la première action, c'est pour le spectacle. Si le son n'est pas juste, tout devient une forme et se passe. Parce que dans la pensée,
Il faut visualiser ce que tu as fait exactement comme tu veux faire et avec les obstacles, réussir à le faire. C'est ça la situation. Parce que c'est à cause de ce sens que les choses peuvent sortir de cet art. S'il n'y a rien dans l'art, tout ce qu'on sort, c'est le décor. Xavier, Emmanuel, Jean et Francis à la fin, et puis les deux derrière, c'est... Donc tout dépend de cette conscience, de cette responsabilité-là. Et plus calme tu es, le plus serein et calme, le plus puissant que tu seras. C'est mieux, là, le tas commence, c'est mieux, là. Ouais, t'as vu, c'est... Là. Parce que le son a une force maintenant, ouais, c'est le meilleur, tu vois, tout est posé. Ça, c'est pas, c'est très bon, c'est posé, c'est ça que je veux chaque fois. Ok, come on, keep moving. Allez, 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 je suis prête à la fête. Ah, ok, yeah, oh, I'm fine, yeah. Ça marche toujours. Ça va vite, hein. Mais je ne vais pas être la porter en mer comme ça. Tu dois le faire comme si j'étais là. T'as vu? Comment? Encore. Yeah. Nobody must know what your intention is. Don't go into the bank, bro. You're in your 73 days. Oh, shit. Thank you.
d'Afrique parce que chaque fois on parle de cet arbre, c'est un arbre africain, un arbre magique. Il fait des choses, il déplace. En énorme force et puis il crève à la fin. Ne crois pas que tu es fixé dans un espace, c'est la liberté, tant qu'il n'y a rien pas. Et tu peux, c'est comme si tu communiques cet état, tu peux même aller, c'est bien, voir aller un pied qui est à l'aise pour que ça ne fait pas coup parfait. Parce que c'est le contraire que je veux, je veux pas des choses parfaites. Bah, ils sont trop bien, c'est, tu sais, comme quand quelqu'un est habitué, il va vers un autre, putain. C'est pas bien. Mais parce que dans ce fond-là, ça m'a bien, c'est pas là. Unwind, as we say. Unwind. But aujourd'hui, on va faire que le premier repas du encore. C'est bien parce qu'il y a des problèmes techniques. D'abord, il faut démêler, mais ne crois pas en isolant la rivière classique, parce qu'en démêlant, tu risques d'être pris par cette racine qui n'arrive pas à pousser dans l'imaginaire du jour. C'est pas racine qui est morte que quand tu démêles dans la classe, tu vas continuer et tu risques d'être. Tu vois? Regarde ça là. Je crois que ça va en vivre. Tout grand quand on s'en monte par la tête, c'est tu es dans la situation où tu es obligé d'avoir une résistance, sinon ça reste facile. À un moment donné, on est obligé, c'est ça qui est sorti. Tu es dans une situation que soit tu laisses et tu crèves, ou tu résistes et ça te donne encore la force de continuer. C'est mon résistant, mais il faut que ça naisse. C'est une énergie qui doit naître par nécessité en soi. C'est pas une chose qu'on dit, ça doit être là, c'est pas une tête, et c'est pas la nécessité. Là, c'était parce que c'était une nécessité, elle sent. Et cette nécessité, ça vient de loin. Donc, oui, parce que moi, ce que je veux, que bon, on explore, c'est on est progressivement, et les bulles, mais si les bulles n'est pas les ailleurs, je dis genre rien, peut-être. Et bien, c'est la processus pour voir comment. Ça va se faire. Si c'était facile de le faire, on aura 10 heures parce que vous avez parlé des gens qui sont là. C'est à comment on shoot avec ces rapports d'énergie en cherchant à se briser et puis. Demain, tu vas pas lâcher ton corps, ça
C'est un amour à la fois grand et doux
et c'est pas seul quand il ne peut pas. Donc, et ça permet de respirer jusqu'au bout. Ce n'est pas juste pour hein. C'est pas écoute là et voilà, non, ils sont connectés, ce n'est pas un hasard, ils sont tous dans le même monde. Hein. Ma grand-mère, quand j'étais petite, c'est une image qui m'a toujours fait que je sais, plein de gens ne comprennent pas dans mon esprit pourquoi je suis toujours sur la lune. Moi, j'aime les papillons, je suis petit. Mais comme j'étais dingue, je cours après les papillons et je me trappe. Les dames. Et puis, il y a un truc sur le visage. Quand j'attrape, puis ma caméra a un jour, en fait, je trappe et je le sais tellement. Les pauvres. Ça ne va plus. C'est fini. On m'a ramené un peu. C'est là que j'étais diabolique. J'étais complètement dingue. Mais ça, une pause question. Tu es un peu. Mais c'était le temps. Non, au début, tu sais, toujours l'envie. Dès que j'avais envie, aucune papier vient. Tu vois, il y avait quand même une petite gamine, tu vois. Je n'ai pas tout de suite compris. Je suis là. J'y vois un peu. Il y a un autre. Quand j'ai envie de me trouver avec le papillon, tu sais, il suffit que moi, je ne pense plus à l'attraper en lui, je reste tranquille. Et tu sais, pas seulement l'image, mais tout ce qui était derrière cette chose, qu'est-ce que tu l'aimes vraiment, et la liberté,
dans la vie particulière. Et avec la vie, parfois, et c'est vrai, je suis comme ça dans ma vie. D'aller, et quand les amis, et si tu aimes, tu as envie de me procéder. Parce que c'était pareil de fermer, et quand le muscle se détend, tout ce que tu as là-dedans, parce qu'il va pas rester. Ceci, elle est bloquée, allez. À un moment donné, ça va s'ouvrir, et tout ce qui est dedans va sortir. Hein? C'est vrai. C'est bon, ta volonté. Tenez, mais à un moment, les muscles vont cesser. La tension va partir. Tout ce qui est là, tu n'as rien. Parce que c'est pas comme si tu veux partir, chose comme ça. Pareil, c'est l'accès. Mais l'histoire de papillon, c'est chaque fois, maintenant, quand je vois les papillons, même avant de les approcher, je pense que c'est le envol. Ce que j'adore, ils sont là, ils perchent. C'est le moment de l'envol que j'adore. Parce que il y a des gens. Ils sont tranquilles et ils s'envolent. Et dans la danse, chaque fois, la danse de 64 ans, un jour, je te la donne. C'est justement le dernier pas, ce n'est pas de faire pour que ça vienne. Ça naisse dans l'énergie, l'énergie jusqu'avant, dans le pas. Ah, c'est pour ça que j'enseigne toujours comme base pour que les gens travaillent là-dedans, pour que ça sorte. Ce n'est pas et maintenant je dois faire ça et maintenant. Qu'est-ce que c'est pire? Tu me fous. L'envol.